Donc, étirement des fessiers, on appelle ça aussi l'étirement anti-sciatique, d'accord? On le verra dans d'autres vidéos sur les préventions contre le mal de dos, mais quand vous venez sur le dos, comment bien placer son dos? Je vous ai souvent dit, un bon repère, c'est d'avoir cette sensation du ventre rentré étiré. Ça montre que votre colonne est bien étirée. Là, ça sera le sujet de comment bien placer son dos. Anticipation du coussin ou de la serviette pour les problèmes de cervicale. Donc, je suis là ici, je viens croiser. Toujours mon point fixe, c'est le coccyx. Attention de ne pas enrouler le bas du dos. Ça, c'est une erreur technique, hein, d'accord? Donc là, je vais pousser ici fort avec ma cuisse vers moi. Je peux attraper derrière la cuisse et repousser le genou là ici. Les étirements, c'est toujours des oppositions. La cuisse qui pousse vers vous et le genou que vous repoussez vers l'extérieur. Attention, hein, au placement de vos épaules et toujours l'autograndissement au niveau du sommet du crâne. Bien sûr, je le travaille des deux côtés.